Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, donner une nouvelle image à la commune d'Abobo à travers leurs actions citoyennes. 14 personnes ont été privées pour leurs engagements envers la commune lors des awards de la contribution citoyenne d'Abobo. Devenir un hub numérique de la sous-région serait l'objectif de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a envoyé une vingtaine de startups en opération séduction à la 8 édition du salon Viva Technologie. Et enfin de journal, cap sur Sangui dans le Gontougo où une nouvelle cantine scolaire a été construite pour le plus grand plaisir des élèves. La commune d'Abobo remercie ses citoyens. 14 personnes ont reçu un trophée chacun lors de la première édition des Awards de la contribution citoyenne d'Abobo. Hommes religieux, journalistes ou encore mécènes, tous sont engagés pour redorer l'image de la commune. C'est toujours un plaisir de, de voir son travail récompensé, et surtout par les jeunes d'Abobo, qui ont compris que depuis 2017, nos participants à l'évolution de cette commune à travers nos productions, notre contenu, et ça impacte positivement les jeunes, les vieux, les femmes, les enfants et tout ça. C'est toujours, euh, on est très heureux en tout cas d'avoir reçu ce trophée de la part euh, des enfants d'Abobo. Décernés pour la première fois cette année, les awards de la contribution citoyenne d'Abobo visent à perdurer dans le temps. Abobo, en par la sécurité, le manque d'infrastructures, vous. Bras entrepreneurs avaient renommé l'image de notre commune. Abobo est aujourd'hui la source de toutes les ressources. Elle est une référence en matière de l'humanité développée. Violence, extrême pauvreté, insalubrité, insécurité ou encore déscolarisation, les clichés autour de cette commune de 1 à 2 millions d'habitants sont nombreux, stéréotypes contre lesquels se battent depuis des années des initiatives. La Côte d'Ivoire entend bien se faire connaître sur la scène technologique internationale. On veut pour preuve la participation d'une vingtaine de start-up ivoiriennes au salon Viva Technology 2024 et ce, grâce à l'impulsion conjointe du ministère de la Jeunesse et celui de la digitalisation. 20 start-up ivoiriennes pour venir découvrir Viva Tech, lier des partenariats, trouver des talents, trouver des investisseurs. Donc vraiment, c'est très gentil de leur part et euh, on apprécie leur vision et, et, et leurs efforts. En termes de bilan, alors le bilan est très très positif. Personnellement, c'est ma première participation pour euh, My Opinion et euh, les objectifs ont été atteints. Avec leurs différents produits, les startups ivoiriennes ont démontré leurs compétences et capacités à innover et à répondre aux défis économiques et sociaux de la société ivoirienne. Pour elles, leur participation à Viva Technology est non seulement une occasion de... Capter des investissements pour leur croissance, mais aussi une affirmation de la place de la Côte d'Ivoire dans la sphère mondiale du numérique. Il faudra noter qu'une dizaine de start-up de Côte d'Ivoire ont été distinguées sur le stand AfricaTech. Et je pas satisfait de ce que les startups qui ont été sélectionnées par l'équipe du pilotait aujourd'hui ont impressionné plus d'un ici, notamment la ministre, la secrétaire d'État chargée donc de la coopération a demandé que nous multiplions ces initiatives de sorte qu'on on, co-organise un sommet en Afrique, certainement en côte Cette participation à la huitième édition du Salon s'inscrit dans la lignée de la loi de novembre 2023 destinée à faire la promotion des entreprises numériques, une loi qui, au-delà des avantages fiscaux et douaniers, offre un soutien complet de la création et au développement des dites entreprises. Après deux ans, faute de bonnes conditions, les élèves de Sangayi, localisés dans le département de Sandégay, retrouvent à nouveau les bancs de la cantine scolaire. Nous avons été suspendus pendant deux ans. Nos enfants n'ont pas de vie. Mais Dieu merci, vous êtes venus, vous avez vu la réalité. Donc, euh, on vous demande de tout faire pour que nos enfants aient de quoi à manger euh, l'année prochaine. Un fait rendu possible par les populations de la localité qui, face à la suspension de la cantine, ont uni leurs forces en vue de permettre aux enfants de bénéficier d'une meilleure scolarité. Je veux voir l'effort fait par les parents qui ont construit un réceptoire neuf comme vous voyez, avec un magasin, une cuisine. Nous sommes venus faire le constat de nous-mêmes et nous sommes heureux de voir que les parents ont fait le pas. Et nous devons maintenant de donner les démarches nécessaires pour la réouverture de ces cantines ou le bien de nos apprenants. Ainsi, les cadres et les mutuelles de développement ont été appelés à s'investir pour le ravitaillement des cantines. C'est le lieu pour moi d'inviter l'ensemble des villages de fournir beaucoup de vivres aux cantines scolaires pour que les résultats... Comme pour joindre l'acte à la parole, la mutuelle de développement de Bandakani Sekura a offert 25 sacs de riz de 25 kg, trois bidons d'huile, des pâtes alimentaires et des cubes d'assaisonnement. 27 ans après sa disparition, Louga François demeure présent dans les cœurs de nombreux mélomanes, y compris ceux du Lodjbois, sa région natale. Le papa national sera bientôt ressuscité le temps du festival Louga François Lodjbois du 12 au 14 juillet prochain à Lakota. sa la révérence le 22 décembre 1996. Jusqu'à il n'y a pas eu Vraiment un festival pour immortaliser ce grand homme qu'il était. Et il fallait réfléchir, il fallait réfléchir pour créer un festival, pour mettre en lumière tout ce que Louga françois a fait. Un festival pour honorer la mémoire de l'artiste, mais aussi pour introduire cette dernière aux plus jeunes générations. Un appel à une participation massive est donc lancé. Et il a marqué de génération en génération. Donc là, c'est pour nous rendre hommage. j'invite euh, toute la population de Bois à se déplacer massivement pour venir au festival. Luga François. Un événement qui, pour certains, ne devrait pas se limiter qu'à une édition. Merci parce que je sais que de là où il est, Luga, il sera heureux. Il va cette fois se retourner dans sa tombe, il va dire, les Ivoiriens, les Africains ne m'ont pas oublié. C'était le papa national, c'était le grand sapeur. C'était l'homme qui nous parlait par ses messages. Donc, vraiment, je suis heureux. Je dis merci à Dieu que ce festival-là connaisse un plein, plein succès et qu'il ne meure jamais. De son vrai nom, Dago Luga, Luga François est né à Lakota. Avant d'entamer une brillante carrière musicale, ce dernier est passé par la France, où il a obtenu un diplôme en bâtiment, mais aussi par une carrière audiovisuelle, ayant joué dans plusieurs téléfilms. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.